Une autre fierté historique pour la radio ici et maintenant, suite à la proposition de David Abassi, Emmanuel Macron aurait plus utilisé le mot djihadiste, mais terroriste islamiste, et il a commencé à utiliser ce terme lui-même. On va voir si les médias vont bien suivre Emmanuel Macron ou bien s'ils vont suivre les projets du monde musulman. Avant eux, ceux qui, depuis 2015, ont été victimes du terrorisme islamiste. Concernant djihadiste, et l'utilisation de ce mot-là, comme on vient de parler avec M. Philippe Carcenti, quand les médias ils considèrent les terroristes islamiques comme des djihadistes, djihad a des valeurs religieuses. Comme martyr, qui tout à fait en arabe, on dit shahid. Shahid, ça veut dire témoin. Témoin de quoi? Il dit témoin d'Allah. Et quand on dit djihadiste, djihad, mujahid, vous connaissez mujahidin du peuple. Après, vous avez mujahidin afghan, commandant Massoud, etc. Ça, il a de valeurs religieuses, valeurs divines. Et quand vous dites djihadiste, vous donnez la valeur à l'individu et son acte. Il faut, en France, dans le monde entier, il y aura un mouvement pour changer cette mot. Les médias n'ont pas le droit de l'utiliser le mot djihadiste. Djihadisme, ça veut dire vous donner la valeur à l'individu qui est en train de faire le djihad. Djihad, c'est-à-dire c'est la guerre sans. C'est la guerre sans. C'est la guerre sainte. Alors, toujours dans les médias, chaque jour, quand vous dites djihadiste, 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 un individu musulman, que les musulmans sont tellement gentils, ils ne sont pas des terroristes, les musulmans. Les musulmans, tellement gentils, humains, mais c'est l'idéologie, c'est-à-dire l'idéologie djihadiste, l'idéologie islam terroriste, l'idéologie islam fasciste, qui va fabriquer l'individu terroriste. Ou pour Allah, la plupart de ces choses-là, c'est pour Allah, et pour aller en paradis, et pour faire de l'amour avec 72 vierges. Et ici, il dit, je veux faire djihad, je deviens djihadiste, je vais aller dans l'autre monde pour avoir 72 filles vierges. Vous voyez, et vous donnez la valeur à cet acte. Ce que je demande, ils feront on dit camping en anglais, ils font une campagne nationale pour tous les médias, même lors de gouvernement, lors de services qui soutiennent la sécurité du pays. Déjà, si vous enlevez le mot djihadiste et le remplacez par terroriste, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Alors ça aussi, les médias ne savent pas, comme d'où est-ce qu'il est venu, et comment il a pu s'installer cette mot dans le vocabulaire journalistique français, c'est très important, Rachel. Rachel, il ne faut pas seulement appeler David Abassi et demander des explications, non, c'est à vous d'aller faire partout, comme d'autres choses qui ont été inventées en 1980 par David Abassi, sans politique. Le mot islam politique aujourd'hui s'est utilisé 10 000 fois par jour partout dans le monde. En 1979 exactement, même pas 80, en 1979, quand j'ai annoncé ça, j'ai parlé de ça, beaucoup de gens disaient « qu'est-ce que ça veut dire islam politique ?» Faites une campagne internationale pour changer ça, mes chers amis. Il faut le changer. 4 policiers sont tombés ce jeudi 3 octobre. Ils avaient fait le choix de porter l'uniforme, de consacrer leur vie à protéger les autres. Ils sont morts en service, au travail, comme avant eux ceux qui, depuis 2015, ont été victimes du terrorisme islamiste. Vos collègues sont tombés sous les coups d'un islam dévoyé et porteur de mort.
qu'il nous revient d'éradiquer. Et qu'un individu imprégné d'une telle idéologie puisse exercer dans le lieu où précisément l'on traque les individus dangereux est inconcevable, inacceptable. Face au terrorisme islamiste, nous mènerons le combat sans relâche.